Règle numéro 1, ne jamais parler du Fight Cube. Fight Cube, préparatif du fight. Je commence ? Ouais, attends. Voilà, c'est bon. Salut à tous les amis, c'est Fanta qui tient un diamant à l'intérieur de la tête d'Elarcis. Salut Elarcis. Mindfuck. Non. Voilà, donc nous sommes actuellement sur la troisième... C'est la troisième ou la quatrième ? C'est la troisième série. Le troisième épisode de Fight Cube, hein, donc il y a eu du fight, il y a eu un Bob suicidaire, il y a eu, des engueulades déjà, et puis beaucoup de pression, des gens qui sont découragés. Hein, là, Bob partait défaitiste, était persuadé qu'on avait une épée en diamant tellement on était bon. Et là, nous, on se retrouve avec 8 diamants, plus 2 que tu as en stock, ça fait 10, c'est bien ça ? Yes ! 10 diamants. Deux épées, deux pioches. Ah ouais, deux épées, deux pioches, bah c'est nickel. Et on part se faire un truc sneaky, on part là-bas, non ? Ouais. Bah écoute, je fais un ready. En tout cas, on essaye de tout défoncer là-bas au moment du fight. Par contre, c'est clair que si on perd, ça serait pas du luxe qu'on ait des armures. Hein. Ouais, on fait un slash ready. Ah bah, le jour et la nuit est tombé direct. Ouais, bah écoute, pas grave. Alors, on va directement là où on range les affaires. Pour aller se faire de nos équipements, d'accord ? Sachant que moi j'ai 3 armures là. Hein. Ah, c'est parfait, j'en ai 0. À la limite, on aurait pu direct y aller. Ça va être pratique pour se déplacer. Est-ce que tu veux faire un coup de Sioux ? Tu comme t'avais fait. Un coup de Sioux ? Ah, parce qu'on a une pioche maintenant. Ah, on a deux pioches. Est-ce qu'on part pas comme des Sioux et on fait pas. Ils vont s'y attendre. Ouais, ils doivent être en train de chier dans leur. Ouais, mais d'un autre côté, s'ils nous font un spotted, ça nous renvoie juste vers la base. Et ce qu'on a volé, on le garde ? Oui. Enfin, je crois. Donc si je pique un bloc d'obsidienne... Hop, je me suis fait toucher par un creeper. Oh putain. Hop. Ouh, je t'ai tapé, mais ça m'a dit que j'étais pas dans la phase PVP, c'est bien ouais, ça. Ouais, c'est cool. Là, il y a 2 diamants, je prends. Bon, attends, je te donne ton armure. Qu'est-ce que je t'ai donné ? Ouais, tu me donnes une armure, il manque juste le torse. Ça peut torse, servir. Je vais pas donner le torse ? Si, c'est bon. Alors... Il va falloir un deuxième coffre là. Je te donne ça, je te donne les diamants et fais-nous des épées et des. 10 diamants. c'est complètement gavé, mais c'est. Ouais, il a fait une grosse erreur et en s'énervant comme ça, il te fonce dessus à main nue. Il a fait une énorme erreur. Bon, au moins, un truc, c'est que chaque équipe sait où est le totem de l'autre. Non ? Ouais. Mais moi, je sais pas où est leur totem parce que j'ai toujours pas vu. Quand tu sors du canyon, tu vas en ligne droite et tu vas à droite. Oh mon dieu. au niveau bouffe, je suis encore léger. T'es où toi ? Je croyais que t'étais sorti faire des épées. Oui, je suis en train de les faire. Oh là là, moi il y a plein de monstres. Ok, ça sert à rien. Lag de ouf. On lag ? Ah. Non, moi je lag énormément. Après, Bob, il peut dire ce qu'il veut. Mais les petits amis, ils sont témoins. Il n'y a pas que lui. Ah. Bon, il faut qu'on ait du bois pour que je fasse un coffre supplémentaire. Parce que mon inventaire, il est blindé. J'ai que des armures, des trucs. Ouais, mais tu m'as rien donné. Et puis, il me faut de la bouffe. Ouais. Tiens, je vais t'en donner quelque peu. Tiens, Fanta. Ton épée de la mort qui tue. Mais oh, merde, dans la lave. Non, je vais... Ça aurait été ballot. Ok. Et c'est où ça ? L'autre épée, je l'ai pas. Ah si, elle est là. Mon petit. Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on se fait un petit souterrain de la mort direct jusqu'à chez eux ? En sneak ? Ouais ! On pourrait pas se faire des pelles de la mort aussi ? En diamant ? Des pelles en diamant ? Mais on a plus de diamants. Ah d'accord. Eh ben écoute. Par contre, moi, bouffe, je suis mort. Je vais être obligé de m'empoisonner. J'ai plus de bouffe non plus. Je peux aller tuer des zombies et des cochons pour. Bon, je reste. Allez, à proximité parti. Avec mon armure, je suis indestructible. Ah, j'ai pas d'armure. Si t'as une armure. Oui, mais en armure en fer. Bon, on est en train de merder là. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. On est en train de merder. J'ai l'impression, ouais. Moi, je suis toujours en stress, hein. C'est normal, c'est comme quand tu joues à StarCraft. Enfin, moi, quand je joue à StarCraft 2, je tremble, je fais vibrer mon bureau tellement je stresse, mais je perds, d'accord, mais.
Donc là, du coup, c'est vrai qu'ils vont souffrir avec les diamants. Dommage qu'on n'a pas l'armure qui va avec, en diamant. Bon, moi, je prends la bouffe de zombie. Malheureusement, t'as tout pris. Ouais, je m'empoisonne, je m'en fous. C'est toi qui as les steaks de les côtelettes. Ouais. On peut faire de la soupe de champignons. Ouais, je sais, mais on n'a pas que ça à foutre, Narcisse. Il faut qu'on y aille. Est-ce que tu veux qu'on on les finit là on les... J'ai des cochons là-bas, j'ai des cochons si tu veux. Non, j'ai ma vie à plein là. Ok, ok, ok. Tu pars trop loin. Bah attends, commence à creuser le tunnel, je vais chercher des cochons. Non, je suis pas sûr que le tunnel ce soit la meilleure idée. D'accord, mais j'ai des cochons, j'ai des vaches, j'ai plein de nourriture. Oh purée. Désolé, mais. Ouais, mais on en a pas besoin. Bah, je suis désolé, moi j'ai presque pas de vie quoi. Ouais, d'accord. Ah, oh, et j'ai l'araignée qui me suit, qui me bute. Je me fais assaillir de tous les côtés. Bon, je sais pas où t'es, c'est catastrophique, on fait rien. C'est bon, je retourne à la base. Enfin, je vais essayer. Oh putain, non, c'est horrible. Au secours, aide-moi. Oh mon dieu, Narcisse. T'es parti à des kilomètres. Non, c'est bon, je suis à la base, je suis à la base. Ah, mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? Je suis derrière toi, je te colle au train. Bon. Oh, la mort! Je suis vraiment un gros boulet. Quoi? J'ai tué des tas de cochons, j'ai récupéré, j'ai fait plein de loot, sauf que j'avais pas de place pour récupérer la nourriture. Oh putain, Narcisse. Le boulet. C'est pas grave, Fanta. Ouais, sauf que au lieu de les utiliser contre nos objets, on se fait laminer contre des mobs. C'est bon, j'ai tout récupéré. Oh putain, merde! T'es où? Je rentre! Voilà, c'est ça. On fait tout la nuit. C'est bon, on est à la maison, Bon, t'as pris à manger? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on y va? Ouais. Déjà, on peut se rapprocher de chez eux, jusqu'à ne pas être trop près du totem pour pas risquer un spotted, d'accord? Et si okay. On s'approche de chez eux, ils n'oseront pas partir. Attends, faut que je mange, là, c'est pas possible. Oh purée, là, si tu m'as dit c'est bon. J'ai plus de vie, j'ai un demi-cœur. C'est bon, du calme, Fanta. Je suis hyper frazel. J'ai peur. De toute façon, j'ai de quoi faire un four et du charbon pour faire cuire bon, ça, putain. Avant qu'il nous a... Ouais, normalement, on a de quoi les buter, hein. Si on contournait le canyon par la droite, comme ça on arrive direct sur leur totem. Ça te va? J'en sais rien. Si. La bouffe descend plus vite quand on s'empoisonne. Bah oui. Donc ça dépanne. Mais ça dépanne juste. Dis-moi ces cochons qui nous narquent en bas. On les aura pas. Tu vas où, Narcisse? Tu dis que ça Je va tomber. Contourne le canyon par la droite. Ouais, mais on les verra pas arriver. Non? Mais si, on verra quand même le canyon. Ok, tu penses qu'on va faire la surprise en passant pas par le même chemin que la dernière fois? C'est ça. Bah, c'est surtout qu'en fait, je pense qu'on va faire la surprise. Parce que si on débouche le canyon par la droite, on peut arriver en sneaky sans avoir à traverser le champ. Et ouais, je vois Bob. Je sais pas où t'es d'ailleurs. Tu peux enlever ton sneaky justement? Je suis en sneaky, je suis là. À gauche. Là. Où ça? Bah, à droite, à gauche. À gauche! Ah putain. L'autre gauche. Trop vert. Il y a Bob là-bas en face, ouais. Derrière la montagne. Ouais. Je le vois. Est-ce qu'on va aller on va lui faire peur. On fonce à son totem. Mais ouais. On s'éloigne encore. Il faut qu'il nous voie. Ils ont pas de quoi faire une pioche en diamant. Non, mais ils peuvent essayer avec autre chose. Mais si pendant qu'ils en pètent une, on peut en péter deux. Ouais. À moins que tu restes là-bas et tu... Non, c'est moi qui devrais faire le slash spotted. De toute façon, dès qu'on aura cassé... Et Narcisse, je sais pas où t'es, je sais pas où il faut aller. Bon, tu suis le canyon, tu contournes le canyon par la droite, Fanta, c'est pas la peine de t'énerver, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Mais parce que je suis en train de te demander, est-ce qu'on va lui faire... Est-ce qu'on va l'attendre? Fanta, reviens, remonte sur la montagne, tu fais demi-tour, tu remontes vers le canyon. D'accord, pourquoi? Tu restes en haut du canyon. Mais pourquoi faire? Pourquoi on va pas péter leur totem? Le canyon par la droite. Tu restes au-dessus du canyon pour pouvoir surveiller s'il le passe. Mais moi, je suis déjà au bout.
Pourquoi mais je vais pas... t'es à l'autre bout, t'es de notre côté. Quoi? T'es de notre côté du canyon, Fanta. Mais tu déconnes. Alors c'est qui? C'est qui que j'ai vu de l'autre côté? Eh ben c'est Bob. Mais si, Fanta, à droite, regarde à droite la montagne, je suis là. T'es de notre côté. Mais non. Mais si, remonte la montagne. Ouais, ben... Eh ben, c'est, de là, c'est derrière moi qu'il faut aller. Ah, d'accord. J'ai trop tourné, j'ai trop cherché. Et il vaudrait mieux pas qu'il y en ait un de nous deux qui surveille pour faire un slash spotted ? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Parce que de toute façon, je disais, dès le moment où on aura cassé le premier bloc, en fait, il nous... Donc là, il faut que je retourne là-bas. Ouais, retourne à la base, c'est mieux. Je me débrouillerai. De toute façon, ils peuvent pas me tuer. Ouais, vas-y, essaye de faire un truc dessus. T'as encore 10 minutes. Moi, je veille simplement sur le totem. Je vais aller me placer sous leur base. Par contre, j'ai l'impression que je me suis perdu. On aurait peut-être pas dû contourner. Putain, 10 minutes. Je me suis perdu. Ah non, c'est bon. Je reconnais. Ma purée. J'espère pour eux, pour nous qu'ils ont rien piqué. Et je me prépare à faire un slash potted. N'hésite pas à courir hein, si t'as de la nourriture sur toi. Bon, le totem est bon. Ce que je vais faire, je vais me mettre dans la maison où on veille. Tu sais où t'avais fait la porte? C'est bon, je suis sous le totem. Ouais, génial. Vas-y, Larcis. Oh non! Ah, ils t'ont renvoyé? Non, c'est pas ça, c'est qu'on peut pas casser le totem par en dessous. Ah, purée, dommage. Est-ce qu'ils sont loin de toi? Non, c'est bon. C'est bon, je vais l'avoir. Vas-y, vas-y. Prends-en le plus possible. Bah, pas besoin d'en prendre, hein. Bien. Il y a Bob. Notre Bob totem est attaqué, en effet. Ça y est, je l'ai renvoyé chez lui. Bien. Attends, est-ce que je laisse le dernier bloc? Non, non, vas-y, défonce-les. Ah, merde, je me suis fait voir. Bien joué. T'es un champion, Elarcis. En 8 minutes, on y retourne, on essaye. J'ai pas pu récupérer les blocs d'obsidienne, donc je sais pas s'ils peuvent le réparer. Non. Non, non, les vies... Slash pas quoi? Pour faire quoi? Ouais, ou slash potted. Je l'ai déjà dit, c'était slash potted. Oui, mais c'est slash SP le raccourci. Déjà, il faut qu'il soit aussi à proximité de toi. Il faut qu'il soit 20 cubes de toi. C'est ça. Bon, écoute, Fanta, je trouve qu'on est très bien parti. Le coup de panique qu'ils ont dû avoir. Ouais, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va et on les défonce? Ou alors est-ce qu'on... Oh, attends, on va leur laisser un peu de répit. Sinon, la série, elle va durer quoi? 3 épisodes? Ouais, bah on fera une autre saison. C'est que la troisième série? Oui, d'accord. La série de 3 épisodes, quand même. Au moins 4, quoi. Ouais, bah à peu près, c'est la durée, hein, 4 épisodes, hein. Quand je pense que le quatrième épisode qui a jamais vu le jour, on va le boucler en 2 secondes. De toute façon, le dernier épisode, ils vont être super méfiants, quoi. Ils vont rester à côté de leur totem. Ouais, justement. Il faudrait peut-être... Tu crois qu'on peut faire le... On peut tenter le coup en 7 minutes? Je sais pas. Je me demandais si on pouvait pas faire un truc du genre... Ils te tuent avec la pioche. Moi, je me cache pas loin de leur totem et ils se barrent avec la pioche en espérant pouvoir mais faire quelque chose. Mais tu peux pas me tuer, on n'est pas en PVP. Non, mais tout à l'heure, on se rapproche, moi je suis caché. Bah déjà, allons nous rapprocher, tiens. Si, on se rapproche, Elarcis. Caché. Ouais, ouais. Ok.
Ou alors, en fait, tu commences à miner le totem, il te voit, il te renvoie, il croit qu'il est tranquille, il se barre, et moi, je suis juste derrière. Ouais, ou le temps de faire un spotted, il n'a pas le temps d'en taper deux. Ouais, on y va tous les deux en rush. Voilà, t'es où? Comme attends, je suis en train de déposer mes ressources dans un coffre, parce que là, je suis plein. Mais plein. Moi, je devrais pouvoir survivre avec ce que j'ai, hein, équipement. T'es où? Je suis en haut. Putain, j'ai que des armures, des machins... Comme on leur met la misère. Ouais, je suis désolé, je suis du genre stressé, moi. Surtout quand je suis pressé par le temps, c'est la chose qui me stresse le plus dans la vie, en fait. Quand j'ai plus le temps de faire les choses, c'est là que je deviens fou. Bon, je prends des os pour au cas où dresser un chien si on en croise un. Je voulais qu'on y aille, mais. C'est bon, je me dépêche. Alors. Parce que fais gaffe, parce que s'il nous tue à ce passage-là, c'est sûr. Ah, ils sont bien équipés. Hein. Ah ouais? Bob Lennon, il de Groon, super. Je veux dire, s'il nous tue cet épisode-là, ils auront de quoi se faire une pioche et là, ça rigolera plus. Ouais, bah, surtout qu'ils vont récupérer les notes. Parce que mais moi, là, notre totem est attaqué, il a miné un bloc ou? Comment ça, notre totem est attaqué? Et en fait, ça m'a affiché votre totem est attaqué. Ça veut dire qu'il commençait à miner dessus ou? Non, il est tombé. Hit the ground. Non, mais tout à l'heure, quand j'ai miné les blocs, il y avait un « Votre totem est attaqué » avant que tu le renvoies. Ah bah, écoute, est-ce que tu avais bien pensé à désactiver le... Bah oui, a priori. Oh, désolé, je suis à la ramasse avec ce nouveau chemin. Tu es où, Fantin ? Par la droite. J'essaye de prendre le chemin par la droite, comme tu m'as expliqué. Ouais. Alors, tu contournes le canyon, tu restes bien en haut du canyon... Purée. En 4 minutes, je sais pas si on aura le temps, mais. C'est surtout, est-ce qu'on aura le temps de défoncer le truc Est-ce que j'aimerais bien que tu me donnes la direction du totem comme ça, si jamais tu te fais prendre. Écoute, quand t'es en haut, t'es où attends-moi en haut du canyon. Je suis derrière toi, je suis en plein dans ta direction. Derrière moi ou Derrière. Ah oui, je te vois. Regarde, je vais t'attendre, c'est très simple. 4 minutes, je vois pas Bob en face. Mais je suppose qu'ils font... Ils sont à 20 blocs, on y est. À mon avis, ils sont un peu déprimés. Monte la garde en face du canyon. Je vois pas où t'es, je continue d'avancer là. Regarde, Fantin. Le vert sur le vert, c'est... Mets-toi en sneak, parce que là, il peut nous voir. Ouais, mais c'est à moins de 20 cubes, on est tranquille. Monte. Oui, s'il voit qu'on est là. Regarde. En face, là où je regarde, t'as Bob. Il est sur le petit tas de terre. Et bon, regarde bah c'est bon si on sait où ils sont. Il regarde l'entrée du canyon. Je le vois pas. Le petit pic en terre, devant la forêt, et entre la forêt et le canyon. À gauche. Non, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Viens voir. Non, j'essaye de le voir. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a à offrir? Bah, il regarde l'entrée, c'est tout. Ouais, mais je vois pas où il est. Il regarde pas dans notre direction, c'est bon, il regarde vraiment ouais, droit mais moi, vers je vois pas où il est, donc... dans ce cas-là, s'il regarde, qu'est-ce qu'on fait? Il est tout petit, il regarde l'entrée du canyon, mais bon, il regarde on trace alors, s'il nous revoit pas. Maintenant, regarde. Viens voir. En face, tu as des zones de pierre, à 45 degrés en bas, ouais. À 11h. Bah, c'est là-bas. Ah ouais, je les vois. On fait donc le tour là, par derrière. C'est ça, on fait le tour par derrière, on descend. On s'en fout si on perd un peu de vie. Hein, c'est... Regarde, par là, c'est un bon endroit, un bon moyen pour descendre. T'es où, Fanta? Je descends. Bon. Ah bah, tu m'as devancé. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie quasiment. T'as plus de vie? Bon, commence à miner le truc, ils vont te spotted. Ce qu'il y a, c'est que... Oh, attends! Je suis pas sûr de c'est le bon, retrouver. C'est bon, j'ai un chien. Super. Je suis pas sûr de le retrouver. Ils sont tous les deux en dessus du totem. J'ai de quoi dresser un chien aussi. T'en as d'autres? Oui, j'ai un chien et j'ai des os. 7 os. Mais là, regarde, j'ai de quoi miner leur totem. Je sais pas où t'es et je sais pas où je suis. Je suis au totem. Fais-le. Vite. Je suis assez loin de toi. Je vois ton chien derrière. Je te regarde de loin. Donc Oui, plus qu'un. Oh purée, c'est la victoire. Il arrive sur toi. Il va faire le spotted. Non!
Oh, je suis juste à côté. J'étais à genre une seconde de la voir. Une seconde. Attends, je suis caché. Je suis caché juste à côté. Et Bilou. T'es en sneak, mets-toi en sneak. Hein. Ah, je suis en sneak, il y a Bilou pas loin. Ah merde, par contre j'ai un bug. Le chunk se load pas, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Bon, c'est dégueulasse qu'en accédant ton inventaire, t'es plus en sneak. Ah, ils sont en dessous. Un zombie m'attaque. Est-ce que tu. Ils sont en dessous, je les vois. Ils sont en dessous. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de foncer comme un malade et de taper le truc? Prends ta pioche et tu fonces, tu te mets en sneak et tu mines le truc, c'est pas possible. Tu mines le truc, t'as le temps de le miner avant qu'il remonte. Moi j'étais en dessous, j'ai eu le temps de miner un bloc et presque le deuxième avant qu'il remonte. Je peux plus courir. Qu'il soit là, me taper le spotted. Vite, t'as plus de 40 secondes. J'y vais, je suis dessus. Oh putain, il a fait le spotted. Ah, j'étais dessus, je te promets, j'avais presque fini. De toute façon, ils pourront plus faire spotted avec le PVP. Ouais, mais on n'a pas le droit d'enlever des. De toute façon, ils pop juste à côté du totem, donc il faudrait qu'il y en ait un qui s'occupe de les spawn killer pendant que l'autre mine. Oh purée, j'ai plus de vie. On a de la vie dans la base? Non, on n'a plus rien. Trois. 2, 1, j'ai plus de vie du tout. On a un mouton. Ah merde, on est en pause là. Ouais, putain, j'ai plus de vie du tout. Bah, c'est la première chose à faire. Ouais, te donner de la vie. Ça, je sais pas. Bah écoute, je vais aller en chercher. Ou alors tu fais kill. Putain, ils ont souffert. Hein. Ou alors tu fais slash kill. Hein. Non. C'est un peu de la triche. On demandera si on a le droit de faire un slash. Ce que tu vas faire, tu vas me tuer. Pourquoi j'ai un bloc d'obsidienne? J'ai un bloc d'obsidienne, bon sang. Tu vas me tuer? Je vais te tuer. D'accord, ouais, mais au lancement du enlève truc. Ton armure. Oui, mais t'enlèveras ton armure. Hein. Pour pas l'abîmer? Bah oui, bien sûr. Quoique, je sais pas si on peut faire du team kill. Si, je crois que oui. Allez, bon. on stop. Allez, et c'est bientôt pour la phase de fight. Yeah! Fight Cube.